Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, vous avez pu remarquer que en ce moment, on n'est pas très actif sur YouTube. On fait pas des très grosses vidéos dans les skateparks, gros jeux, etc. On est un petit peu plus dans la réserve. Vous avez déjà bien kiffé la petite vidéo à la GoPro en mode POV. Il y en aura plusieurs qui seront faites comme ça. Ça fera une petite série. Je pense que vous allez kiffer. Donc, aujourd'hui, je vais tout vous dire pourquoi on est moins actif. C'est parce qu'on est en train de tourner la vidéo pour le guidon Outcrew en titane. D'ailleurs, je vous l'avais présenté la barre dans une vidéo que j'avais fait il y a environ un mois et demi, deux mois, qui s'affiche juste ici. De toute façon, pendant la vidéo, je vous la remontrerai bien. Parce que ma barre, c'était seulement la prototype. Et là, on a vraiment la barre officielle. Elle est parfaite. C'est vraiment un pur bijou. Je suis trop content du résultat. Je vous la montre juste après. Je vous explique juste avant. On est en train de tourner la vidéo. Donc une partie à Châteauroux et une partie à Genève. J'ai déjà commencé à filmer un petit peu à Châteauroux. Maxime. Avec Enzo. Yes. Oh. Avec Théo. Avec Thomas. Et avec Val. Et à Genève, on est en train de filmer avec Giovanni. Et moi-même. J'ai fait un peu de clip à Châteauroux, moi aussi, pour ma part, en street et au parc, parce que la barre, elle est polyvalente. Et ça serait une vidéo qui sera beaucoup street quand même, et un petit peu parc. Arrête de rigoler. Et donc, là, à l'heure où je tourne la vidéo, le 19, je retourne à Châteauroux. On va filmer l'intro pour la barre, et on va finir la vidéo. On va terminer tous les clips le 19, et après, du 19 au 29... on doit faire le montage et le 29, il faut que la vidéo soit sortie. Et une fois que la vidéo sera sortie, les barres seront officiellement en vente. Et il n'y aura pas que les barres, les gars. Il y aura aussi un nouveau t-shirt avec un logo. Je crois que vous n'êtes pas prêts. J'ai les petits autocollants, mais vous ne pouvez pas les voir, qui sont déjà à la maison. Les t-shirts, je dois les recevoir là bientôt. Je pense que vous allez vraiment kiffer. Je vous remontrerai la barre. Voilà, la petite barre avec le petit losange pointu. Donc, la barre, donc il y a un petit losange qui est hyper bien fait. Parce que moi, sur ma barre, c'était une prototype. Du coup, le losange n'était pas super bien fait. Mais là, il est vraiment, vraiment nickel. Arrête de rigoler. J'ai trop rire, t'es trop chaud. Le losange se présente comme ça. Donc là, il y a un trou. Comme ça, nickel. On l'a fait aussi plus petit pour éviter que ça casse ou quoi que ce soit. Pour mettre toutes les chances de notre côté. De toute façon, c'est du solide. Vous inquiétez pas là-dessus. C'est de la très bonne qualité. Ça, il n'y a rien à redire. C'est du très bon titane. Et là, il y a écrit le petit logo Outcrew ici. Que j'ai rehaussé de 1,5 cm. Parce que sur ma barre, le logo était un petit peu plus bas et du coup si on coupait, par exemple si vous roulez en 60 ou en 65 et vous mettez un SIS, et ben le logo aurait été un petit peu mangé par le SIS. Mais là, vu qu'il a été rehaussé, c'est parfait. Donc voilà, la barre se présente comme ça. Je me rappelle plus la taille qu'elle fait. Je vais regarder ça. Donc les barres, elles sont en 71 de haut. Quand les barres seront disponibles, vous me direz la taille que vous voulez et elle sera coupée à la bonne taille. Ça sera du sur mesure, homemade, sur mesure. Et en largeur, là on est sur une largeur, mais là c'est les tailles, la taille de base de la barre. Et après vous me direz quand, si vous en voulez une, tac. Et là en largeur on est à 66 de large. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent en 66. Et pareil pour la largeur. Lors de votre commande, vous me direz je veux telle taille, telle taille, telle taille. Et ça sera réglé comme vous voulez. Ou sinon, vous pourrez l'acheter telle qu'elle est. Et vous pourrez couper vous-même
si vous préférez, le faire vous-même. Voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Pour l'instant, on est à 20 clips filmés. Il va falloir qu'on charbonne jusqu'au 29, enfin jusqu'au 19, parce que le 19, on arrête de filmer et on se consacre uniquement au montage. Donc ça va pas être de tout repos. On a eu un mois et demi pour filmer la vidéo. Et c'est assez compliqué vu qu'on n'est pas tous concentrés dans la même ville, donc c'est pas facile à ce niveau-là. Mais on a fait le maximum en tout cas. La plus grosse vidéo que l'on ait fait jusqu'à aujourd'hui, ça c'est sûr. L'autre vidéo qu'on avait fait qui était très très grosse, c'était la coalition qu'on avait fait. Mais là, ça va être un autre level. On va vraiment être tous ensemble. On représente les guidons. Là, on est en train de... Bah déjà, on a fait tous les tests de solidité. Ça bouge pas. Des gens qui étaient assez craintifs au niveau du petit diamant ici. Mais au final, tout tient. En tout cas, les gaps qu'on a fait et tout, je peux vous dire que la barre, elle a bien morflé. Mais rien ne bouge. Donc à ce niveau-là, on est vraiment sûr. Et on ne se permettrait pas de vous vendre quelque chose qui va casser et qui sera de la merde. Ça, c'est sûr. C'est pas du tout dans ma nature. Je vous respecte trop pour vous vendre quelque chose qui est défectueux ou qui casse très rapidement. Donc les gars, il y aura dans la boutique, il y aura les barres, il y aura le t-shirt, les t-shirts qui seront disponibles. Il n'y aura qu'un t-shirt, hein, une couleur et un logo. Il n'y aura qu'un t-shirt édition limitée. Les barres aussi, ça sera limité parce que j'ai pas un shop chez moi, j'ai pas un magasin, donc je peux pas prendre 50 ou 70 barres. Donc ça va être short, il va falloir être réactif si vous voulez une barre. Et aussi, il y aura des petits autocollants qui seront à l'effigie du logo sur votre t-shirt et aussi de la barre. Donc si vous prenez la barre, le t-shirt et l'autocollant, tout est en corrélation et il y a tout, il y a un truc qui est partout dans chaque logo. Donc j'espère que vous allez kiffer. Au 29 juin les gars, soyez là. Mettez la clochette des notifications maintenant pour être là le 29 juin à 17h. Ça va être un truc de fou. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce qui va arriver. Et puis voilà, à plus les gars et bon ride.